Cela fait quelques jours que Marius délaisse un peu Gérard dans son travail dans un si grand soleil. Lors du rendez-vous avec l'expert, il l'a planté. Dans le même temps, il a reçu des instructions et de l'argent de la part de Claudine pour pouvoir compromettre Gérald et Milo. La police suit la piste de l'employé dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de février 2023 sur l'antenne de France 2. Yann sur le point de découvrir la vérité dans un si grand soleil. Yann, Constantin Balzan, retrouve sa collègue et lui affirme qu'ils ont eu raison de ne pas lâcher Marius. En effet, en vérifiant les virements bancaires, ils se sont rendus compte qu'il était dans le rouge et que cela faisait plusieurs mois qu'il ne payait pas son loyer. La membre des forces de l'ordre ne comprend pas pourquoi le propriétaire aurait menti. Yann lui explique alors qu'il y a eu un arrangement entre eux en liquide et avec cette somme, c'est complètement illégal. Yann a affirmé par ailleurs qu'il a tout avoué avec la pression. La transaction a eu lieu quelques jours après le témoignage contre Gérald, Christophe Favre, à la police. Aya comprend que Milo, Grégory Kettel, aurait tout intérêt à compromettre Gérald pour sortir son entreprise de cette histoire. En dévoilant toutes ces informations et ce pacte secret, le commissaire Becker, Yvon Bach, lui donne l'autorisation d'interpeller Marius. Il le suit en filature et arrête Marius lorsqu'il rentre chez lui. Evan et Yasmine en guerre sur France 2. Evan, Guillaume Delorme, est en colère après le responsable, car ce dernier a appris par Yasmine, Souria Moufakir, que Gérald était en charge de l'entretien de la chaudière. Elle appelle son compagnon et lui rend compte de la rage du père de Robin, Lucas Ivoula. Gérald comprend le choc, puisqu'il a également un enfant. Il aurait réagi de la même manière. Il demande à l'infirmière d'arrêter d'être sous tension, cela va sûrement la desservir. Mais le cauchemar pourrait continuer pour les deux amoureux. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Un si grand soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur l'antenne de France 2.